Je sais bien, je suis un petit peu anachronique. Le Boléro de Ravel, c'est sorti en 1928. Donc là, on n'est pas dans la musique d'avant le XXe siècle. En même temps, j'y peux rien, moi. C'est ce qui est utilisé à chaque fois pour présenter les émissions de musique classique. D'ailleurs, démontons tout de suite une idée reçue. La musique classique ne désigne pas forcément la musique d'avant le XXe siècle, car différentes époques se sont succédées. Tout d'abord, le Moyen Âge, la Renaissance, l'époque baroque, l'époque classique justement, l'époque romantique et le début de l'époque moderne avec le XXe siècle. Bref, nous ne sommes pas là pour un cours d'histoire de la musique, mais bel et bien pour une audition virtuelle, la quatrième audition virtuelle de l'école de musique de Saint-Pierre-en-Faucigny, qui sera aussi la dernière. Eh oui, bon, nous avons dû décaler cette audition d'une semaine car nos activités et les activités scolaires ayant repris pratiquement à 100%, nos élèves manquaient un peu de temps. Mais ne soyez pas déçus car ils vous ont réservé de très belles surprises pour ce dernier chapitre. Ça valait le coup d'attendre une semaine supplémentaire. Commençons sans plus attendre notre voyage, notre périple musical à travers les différentes époques. Nous sommes à la Renaissance, avec une chanson louant le roi de l'époque, probablement. Cette chanson est d'un anonyme, elle n'est pas datée précisément, elle est du XVIe siècle et elle s'appelle Vive Henri IV. En tout cas, ce chant va vous être interprété à la flûte par Jenna et sa petite sœur Nila au tambourin, dans les tenues d'époque. Bon voyage à la Renaissance! Qu'il devait faire bon vivre dans ses cours à cette époque renaissante. Traversons les époques et faisons un bond de quelques années. Nous nous retrouvons en 1680, au XVIIe siècle, en pleine période musicale dite baroque. C'est l'époque des Vivaldi, des Bach. Oui, ne soyez pas surpris, Johann Sebastian Bach. Je ne parlais pas des bars où on boit des bières. Quelle réputation, décidément! Bach, si vous préférez, à la savoyarde. Eh ben voilà, Bach, justement, c'est le compositeur majeur de l'époque baroque. Bon, il y a des compositeurs un peu moins connus, par exemple Johann Pachelbel, organiste, compositeur allemand. Pourtant, il a écrit un tube, une pièce canon. Oui, le canon de Pachelbel. Et ce canon va vous être interprété par la famille Lansart. Alban au trombone, Jean-Philippe au tuba, Camille à la flûte et Lison au piano. Bonne écoute.
Tiens donc, je vous parlais de bar il y a quelques instants. Ouais, enfin, de bac, comme vous préférez. Eh bien, la famille Vuillaume, Corentin à la trompette et son frère Gabriel, ont décidé de nous interpréter un petit menuet, extrait d'une suite de danse. Vous êtes prêts à danser le menuet? Comment ça? Vous savez pas danser le menuet? Petite danse à trois temps, ressemblant légèrement à la valse, avec une petite inclinaison sur le premier temps. Oh, révisez vos classiques. Allez, laissez-vous emporter par le menuet de Gabriel et Corentin. 1, 2, 3. Et oui, c'est cette jolie mélodie que la famille Vaillant a choisi de vous interpréter. Tom à la caisse claire, sur ce rythme de boléro, hein, voyez le parallèle avec le boléro de Ravel, et sa mère Edwige à la flûte traversière. Mais pas que, décidément, cette mélodie vous a vraiment beaucoup plu, puisque Mathieu a décidé de le faire à la trompette, exactement, de vous le jouer à la trompette. Alors, vous allez me dire, on a fait un bond dans le temps, là. On est aujourd'hui au Festival Interceltique de l'Orient, ou j'en sais rien, au Carnaval de Dunkerque. Et oui, en effet, on peut entendre cette mélodie dans ces différents événements, parce qu'elle a traversé les époques. Mais en réalité, Amazing Grace, c'est son nom, est une mélodie anglaise, bien que trop souvent assimilée au folklore écossais et ses cornemuses. Mélodie anglaise, du milieu du XVIIIe siècle, on a basculé dans l'époque classique. Nous voici en Angleterre avec Amazing Grace, un chant de louange où on prône le repenti par la grâce du Seigneur. Le mieux, c'est d'écouter cette très belle mélodie par nos deux familles d'interprètes. Bonne écoute.